Hey, Dan here. Dans cette courte vidéo, je vous montrerai comment ajuster la selle shotgun. Cette vidéo sert à vous aider, mais elle ne remplace pas le guide de démarrage rapide que vous devez lire avant d'utiliser votre selle shotgun. En utilisant les outils qui vous sont fournis, desserrez la vis supérieure afin d'ajuster la largeur. Placez ensuite la selle shotgun sur votre vélo, l'emplacement de la selle dépendra de votre vélo et de la taille de votre enfant. Ensuite, desserrez les écrous du bras pivotant et réglez l'angle en avant ou en arrière selon votre vélo. Serrez ensuite les écrous du bras pivotant. Maintenant, pressez les supports supérieurs ensemble et serrez fermement la vis supérieure. Tournez les écrous vers le centre de l'axe et mettez-les en place. Tournez ensuite les écrous vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils touchent les bras pivotants. Ceci est important pour éviter le serrage excessif de la selle shotgun et protéger votre cadre. Et maintenant, attachez les sangles des pieds et serrez les repose-pieds. Insérez ensuite le serrage rapide et serrez à la main. Et puis ajoutez la selle et remontez-la en haut ou en bas pour qu'elle soit horizontale. Serrez la selle et voilà, il est maintenant temps de vérifier que tout est sécurisé. Vérifiez maintenant que les repose-pieds sont espacés de la roue avant. Pour ce faire, placez votre passager sur la selle shotgun, comprimez votre suspension complètement et tournez la roue avant. Si ses pieds touchent la roue, repositionnez la selle shotgun. Vous voici prêt à pédaler. Lisez les consignes de sécurité et le guide de démarrage rapide avant d'attaquer les sentiers. Pour retirer la selle, enlevez les repose-pieds et le serrage rapide, puis retirez la selle shotgun de votre vélo. La prochaine utilisation sera simple car la largeur et l'angle sont déjà adaptés à votre vélo. Pour toute question, contactez-nous et appréciez votre selle shotgun.